Salut, salut! Donc, on se retrouve pour vous montrer ma collection de coques de téléphone. Voilà, elles viennent toutes de Wish. Voilà, je les ai toutes commandées sur Wish. Donc, je peux pas vous mettre les liens en barre d'infos parce que je sais pas du tout comment ce qu'on fait. Voilà, mais si vous tapez coque de téléphone et le modèle de votre téléphone, vous en avez toujours plein qui sortent pour vraiment pas cher. Il y en a qu'une qui ne vient pas de chez Wish. Donc, vous voyez que j'en ai quand même pas mal. Voilà, je les range là-dedans. J'en ai pas mal. Et vous verrez que c'est principalement des licornes. Mais pas que, mais pas que, mais pas que. Donc, la seule que j'ai achetée en boutique, donc elle m'a coûté genre 25 balles. Je l'ai achetée quand j'ai eu le téléphone parce que voilà, je ne pouvais pas attendre un mois pour recevoir une coque. Je préférais avoir une protection tout de suite dessus. Donc, j'avais pris une comme ça qui se ferme avec un aimant. Et vous avez un gros capteur de rêve gravé. Et puis, donc oui, j'ai le téléphone, j'ai le Samsung S8 Plus pour celles que ça intéresse. Et donc vous mettez le téléphone et ici vous avez la place pour les cartes. D'ailleurs, je retrouve des cartes de fidélité, ça c'est bon. Le Columbus Café. Miam miam. Donc voilà, et derrière vous avez le même bitonio. Donc vous voyez que je l'ai bien usé. Et je l'utilise encore quand je dois partir et que je dois utiliser mon téléphone voilà, pour le protéger, que je dois le mettre dans mon sac à main ou dans ma poche et tout ça. Mais je la mets rarement parce que c'est pas le genre de pochette que j'aime le plus. Mettre sur mon téléphone. Donc je vais commencer par vous montrer toutes celles qui sont licornes. Hein. Alors il y en a une que je vous montre d'abord que je ne mettrai pas sur mon téléphone parce qu'elle est très dure à mettre et très dure à enlever. D'ailleurs j'ai l'impression qu'elle compresse un peu mon téléphone, donc je l'utilise que très rarement. C'est celle-ci, donc c'est une coque en plastique rigide. Et franchement pour ça c'est bien. Mais alors elle a vraiment du mal à se mettre dans le téléphone, enfin autour du téléphone, et j'ai vraiment beaucoup de mal à la sortir. Et quand je l'ai commandé, donc celle-là, j'ai demandé un remboursement tout simplement que parce que c'est pas des paillettes sur le truc. On avait vraiment l'impression que c'était plein de paillettes avec juste le logo, mais en fait, c'est juste une photo de paillettes, donc ça ressemble pas du tout à ce que je m'attendais, quoi. Elle est jolie, c'est pas ça le problème, mais voilà, c'est pas celle que j'utilise le plus. Ensuite, il y a celle que j'ai actuellement, mais que je vais changer d'ailleurs en faisant cette vidéo. C'est celle-ci. Donc voilà, j'adore cette petite licorne-là. Je l'ai utilisée très longtemps en photo de profil pour celles qui me suivent depuis longtemps sur mon Facebook. Je l'ai utilisée en photo de profil très longtemps celle-ci parce que je l'adorais. Et du coup, je l'ai trouvée. Alors c'est juste collé dessus. Ça ne tient pas bien longtemps si vous les utilisez trop souvent. Ça va s'effacer à la longue. Mais bon, après moi je gratte. Et je garde juste la coque et j'utilise pour d'autres choses. Enfin, soit je mets des dessins dessus ou j'achète des pastilles à coller. Et donc vous avez ici le petit cucu de la licorne. Et quand vous retournez le téléphone, voilà. Donc je vais juste allumer l'écran pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. C'est trop mignon. C'est trop 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 mignon. Donc pour celles que ça intéresse, mes fonds d'écran viennent tous, là vous voyez que celui-là, mais j'en ai plein, ils viennent tous du blog de Julie Brod, World of Beauty. Donc je vous mets le lien de son blog en barre d'infos. J'adore tous, c'est d'ailleurs pour mon ordinateur, c'est aussi ceux que j'utilise. Ensuite on a cette coque-ci, donc c'est exactement la même licorne, donc vous voyez que celle-ci je l'ai bien 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 utilisée, sauf que c'est une transparente. Donc voilà, j'aime beaucoup la mettre celle-ci parce que c'est très discret, enfin très discret, on est d'accord, mais elle est vraiment abîmée maintenant, mais je l'aime beaucoup. J'ai un cheveu qui me chatouille, je l'aime beaucoup celle-ci. Donc faites pas attention à l'état de mon téléphone, que ce soit l'écran ou l'arrière, il est dégueulasse. Ensuite on a celle-ci, donc celle-ci j'aime bien aussi, bien qu'elle ne soit pas hyper pratique parce que du coup je ne sais pas mettre mon téléphone en poche ou quoi. Donc c'est avec l'emoji licorne et dedans vous avez les paillettes qui bougent. Voilà, c'est trop beau. Alors ce qui est bien c'est que vous pouvez quand même le poser à plat parce que voilà ça tient, en sachant que je pose souvent mon téléphone à plat sur l'écran la nuit, mais la journée je le pose toujours comme ça pour avoir accès facilement à mon écran. Et voilà. Par contre, avec ce genre de coque là, vu que j'ai le chargeur qu'on pose le téléphone dessus, je suis obligée de les enlever. Mais avec celle-ci, elle charge avec la coque dessus. Donc ça, c'est génial. Donc voilà pour celle-ci, je l'adore. Ouais. J'aime vraiment beaucoup celle-ci. C'est celle avec laquelle je m'éclate le plus. Je vais essayer de bien faire descendre toutes les paillettes. Hop là. Ouais, c'est trop beau. Voilà. Donc bah, finalement, j'en ai que 3, 4 licornes. Ça va, je pensais en avoir plus. Mais j'en ai quelques-unes.
Ensuite, dans un autre registre, alors je les aime beaucoup aussi, celles-ci, et elles sont bien, elles protègent bien l'écran, c'est celle-ci. Donc j'ai le chat noir et j'ai le chat blanc. Voilà. Et franchement, comme c'est caoutchouteux, c'est bien parce que c'est du caoutchouc souple. Si votre téléphone il tombe, ça fait vraiment, vraiment une bonne protection. Surtout pour les écrans incurvés comme le mien, ça revient bien ici sur le côté, mais ici, quand vous téléphonez, c'est un peu chiant si vous mettez le bord trop sur votre oreille, ça vous fait mal l'oreille à la langue. Ou alors, faut pas parler longtemps au téléphone, quoi. Mais c'est vrai que je les aime beaucoup, en plus vous avez des petites oreilles au-dessus. Et voilà. D'abord, on m'a demandé si c'était une coque Batman, mais non, c'est un petit chat. Et bien sûr, vous avez la même en blanc pailleté. Et celle-ci, j'ai l'impression qu'elle revient encore plus sur l'écran devant. Mais voilà, c'est très joli aussi. Bon, là, elle a un petit peu les oreilles crêpes. Hein. C'est mieux quand il a les oreilles propres. Donc celle-ci, elle est blanche et pailletée. Et vous avez la même en rose également. Alors, une que j'ai commandée et que j'ai eu la chance de recevoir l'année dernière, juste avant la période concernée, c'est celle-ci. Avec un petit Papa Noël. Voilà, j'en ai cherché une très longtemps. Et bon, c'est encore le même que la licorne. Au fur et à mesure, ça va s'effacer. Mais bon, je vais l'utiliser quoi 15 jours par an, donc voilà. Elle est trop belle. Il est trop beau le Papa Noël. Et je pense que je vais me commander un renne aussi, mais enfin. Je vais déjà utiliser celle-ci un petit peu. Hein. Alors ensuite, on a celle avec un holder, on va dire un holder, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est celle que vous avez un truc pour tenir. Donc ici, c'est un bijou. Vous voyez que le mien, il a déjà bien vécu. Il y avait plein de dessins, il y avait tout des arabesques et tout ici que j'ai gratté parce que il reste plus que les fleurs en fait. Après ça reste encore joli mais la bague est toute presque maintenant. Donc voilà, vous mettez votre doigt comme ça et ça vous fait une sécurité. Et j'aime beaucoup ce système là pour tenir. Après c'est vrai que c'est la mode hein, mais je l'aime beaucoup et je pense que je vais m'en racheter une dans le même genre. Donc après dans le même genre vous avez ici alors ces deux pièces en fait j'ai commandé les coques et les holders séparément. Donc il y a d'abord celui-ci en panda, donc c'est une coque toujours pareil hein, c'est des coques ça tient pas beaucoup, et le holder que j'ai commandé aussi sur Wish et qu'après j'ai collé sur la coque. Donc vous le tenez voilà comme ça, on en voit partout, c'est vraiment pas bien cher. Après c'est vrai que quand vous avez des coques comme celle-ci par exemple, vous ne pouvez pas la coller sinon vous gâchez votre dessin. Donc là j'avais commandé une coque exprès qui allait avec. Et voilà. Je trouve ça trop mignon. Et c'est les deux dernières que j'ai achetées, celle-ci et celle que j'ai, la dernière que je vais vous présenter. Et je les aime beaucoup. Et la dernière, c'est exactement la même chose. C'est deux pièces que j'ai commandées séparément. Et ça donne ceci. Elle est transparente, un peu rose comme ça. Et sur le côté, vous avez tout des strass tout le long de la coque. Et c'est juste trop sublime. Et vous avez ici, j'avais pris un petit holder pailleté. Trop beau. Et je l'aime beaucoup. Donc voilà pour mes coques de téléphone. D'ailleurs, je vais laisser celle-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise. Puisqu'avant, j'avais le petit panda. Après, j'ai eu la licorne. Donc je vais mettre... J'ai des cheveux à moi qui traînent partout. C'est quand même incroyable. Donc je vais laisser celle-ci. Et voilà. C'est ma dernière coque. Donc j'en ai quand même pas mal. Après, j'ai la chance de garder longtemps mes téléphones, donc ça aide. Hein, parce que quand vous changez de téléphone tous les ans, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, ça sert à rien d'avoir 50 coques. Mais moi, comme je le garde, celui-ci, ça fait presque 3 ans que je l'ai. Et j'ai l'intention de le garder jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus. Parce que je l'aime beaucoup. Et le jour d'ailleurs où il tombe en panne, je crois que je l'ai dépressionné. Parce que c'est ma vie, mon téléphone. Et dites-moi si vous avez, vous, des sites... Bon, après, il y a AliExpress et tout ça. Mais AliExpress, j'ai regardé, j'en trouve pas forcément des super belles, pas trop chères. Voilà, c'est plus des classiques, pas très féminines. Quoi. Donc, dites-moi si vous voulez commander sur d'autres sites. Moi, je les ai toutes commandées sur Wish. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Ça change un petit peu de parler que de make-up. Je pense continuer un petit peu sur cette lancée-là aussi... vous présenter par exemple mes bijoux, mes accessoires cheveux, et tout ça. Et voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser, donc dites-moi tout ça en commentaire. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, d'ailleurs je remercie toutes celles qui viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps, et toutes celles et ceux, voilà. J'espère que vous vous plairez avec nous. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos.
de mettre un petit pouce bleu pour me faire plaisir et me montrer que vous me soutenez. Mettez un pouce bleu pour les camions. Et voilà, n'hésitez pas à me soutenir également sur Utip, donc vous avez le lien en barre d'infos. Et donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous.